obtient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi? Il m'en a dit deux mots, mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Qui voulez-vous, mon père? Que je dise qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je le jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Et Tartuffe! Transport de zèle. Ouf, vous me serrez trop. C'est par ces deux ailes. Je ne vais vous faire aucun mal, je n'ai jamais dessein. Et j'aurais bien plutôt. Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. De grâce, laissez. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu. Avant de parler, prenez ce mouchoir. Comment? Cachez ce sein. Je le saurais voir. De pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas. Toute votre peau ne me tenterait pas. Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer à une telle menace? Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Et Tartuffe! Mon Dieu, que votre amour, en vrai tyran, agit, qu'en un trouble étrange, il me jette l'esprit. Si d'un œil bénin, vous voyez mes hommages, pourquoi me refusez d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont on a toujours vous parlé? Si ce n'est que le ciel, qu'à mes voeux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de chose. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Et Tartuffe? Je puis vous dissiper ces craintes ridicules. Et madame, je vous l'arrive. Ah, je vous brave tous et vous ferez connaître qu'il faut que mon pays sache que je suis le maître. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous. J'en suis témoin. Une œuvre que vous seule et n'a pas d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Et Tartuffe, ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'a-t-il besoin pour lui du soin que vous prenez? Entre nous, c'est un homme à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire. Et je l'ai mis au point de tout voir sans rien croire. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux. Comme un criminel. Chassez-moi de chez vous. Parlez. Traitez-moi de perfide, de voleur. De perfide, homicide. Câblez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y comprends ni point, je les ai mérités. J'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne sera point traîtresse! Quoi? Ces discours vous séduiront au point! Tais-toi, pandarde! Ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Je ne vous réponds pas à des volontés d'un père. Je ne serai point à d'autres cavaliers. Que vous me comblez d'aise! Non, en dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie. Et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voit. Ce n'est pas tout encore, pour le mieux braver tous. Je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Et je vais de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien donation entière. Un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? Que la volonté du ciel soit faite en toutes choses. Vois-tu? Si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine,
Il faudra que j'expire. Only dire le vrai. Les amants sont bien.